Allez, bonjour à tous, bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Allez, comme d'habitude, je vais dire bonjour aux personnes. Victoria Possé est la première. Bonjour Victoria Possé, comment allez-vous? Et elle dit c'est le dernier jour du premier jour. Oh, quel philosophe! Quel philosophe! Roman qui est là. Bonjour Roman, comment ça va? Roman dit bonjour Monsieur Vincent. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien après la défaite française contre la Suisse. Oui, c'était stressant, c'était stressant. Mais c'est pas grave, c'est juste un match. Il faut relativiser, mais c'était quand même super stressant comme match. Nous défions, bonjour, bonjour, nous défions. Pauline est là aussi qui nous dit bonjour, bonjour Pauline, comment ça va? Cosmina est là aussi. Ah bah attendez, Cosmina, hop là, je vous mets votre nounours, regardez. Oh, il est tellement doux. Il est sympathique ce nounours, je le trouve très agréable. J. Vincent est là, bonjour J. Vincent, comment ça va J. Vincent? Hop, vous avez votre ami, peut-être, je ne sais pas. Il est sympathique, je trouve. Annabelle est là. Et Annabelle, c'est toujours avec les deux mains, comme ça. Hop là, coucou Annabelle. Comment ça va? Alors, est-ce que la vie est belle? J'espère. Belle comme Annabelle. C'est pas mal, ça rime. Kiruba est avec nous. Bonjour Kiruba. Renato est là. Bonjour. Oh, Victoria Jacques est de retour. Victoria Jacques, coucou, comment ça va? Gloria est avec nous. Bonjour Gloria, comment allez-vous? Et Gloria, hop là, des fleurs pour vous, des fleurs pour Gloria, pourquoi pas. Achouati est là, bonjour Achouati. Yessero est là aussi, bonjour Yessero. Tout le monde est là, excusez-moi. Je vais regarder, je vois Ice Cubes et Ice Cubes quand elle arrive, hop, c'est automatiquement la licorne. Très bien, ça discute. Ok, bon bah écoutez, pas de problème. Oh, je vois Julia qui affiche une huître, bien sûr, la fameuse huître de Julia, qui était très difficile à découvrir et à comprendre. Et Julia, poum! Regardez, un petit lapin très sympathique et très élégant. Allez, merci beaucoup en tout cas, j'espère que vous allez très très bien. Et on va commencer. Alors, Cheryline qui nous dit bonjour. Cheryline, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, Cheryline. Tenez, hop là, je vous mets le... Il est sympathique lui aussi, très joyeux, très très joyeux. Ils sont tous très joyeux, Cheryline. Ça, c'est pour vous. Aujourd'hui, une histoire très très bizarre. Je suis allé, bien sûr, pour faire le test, pour pouvoir monter dans l'avion. Et je me suis perdu. Mais alors, je me suis perdu, totalement perdu. Et bien sûr, heureusement, j'ai cassé mon téléphone et j'ai cassé mon vélo. Voilà, et ben, c'était une journée sympathique, mais j'ai mon test là. Allez, souvenez-vous, hein, souvenez-vous que ben, on en a fait pas mal. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les personnes avec qui nous avons travaillé. Et donc, on avait travaillé, souvenez-vous, avec cet acteur très intéressant, Timothée Chalamet. Donc aujourd'hui, on va faire uniquement deux petits extraits pour chaque personne. Et je vous invite à faire eh bien, le premier, comme d'habitude. On y va, écoutez bien. Et trouver, eh bien là, tous les mots. Allez, c'est parti. Et il n'y a pas beaucoup de solutions. Oh, pardon. Et il n'y a pas beaucoup de solutions. 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 Allez-y. Et
Alors Renato, vous avez eu un accident ? Non. Non, c'est mon vélo. Mon vélo est très vieux. C'était un vieux vélo que je garde parce que j'ai un attachement personnel à ce vélo. Mais le vélo est clairement plus vieux que moi. Donc, et il y a quelque chose qui s'est bloqué, qui a arrêté de fonctionner. Et la roue s'est totalement bloquée malheureusement. Et donc j'ai fini à pied avec le vélo. C'était terrible. Alors effectivement, donc là c'était « Et il n'y a pas beaucoup de solutions ». On est d'accord, encore une fois, la première partie de la négation disparaît. Hein. Donc c'est ici « Et il n'y a pas beaucoup de solutions ». Voilà, vous l'avez bien entendu, pas de problème. On va l'écouter hein, juste pour être sûr. Aujourd'hui, on va essayer d'être assez rapide. « Et il n'y a pas beaucoup de solutions ». Voilà, hein. Donc on est d'accord que c'est relativement clair. Et il n'y a pas beaucoup de solutions. Voilà. Allez, si on continue avec la deuxième chose pour Timothée Chalamet. S'il vous plaît, trouvez-moi, là encore une fois, eh bien, la totalité de ce qu'il dit. Allez hop, voilà. C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... Allez-y. Alors, je vois Jane Gardiner. Bonjour Jane, comment allez-vous ? Et il y a également Zane, ou Zane, je ne sais pas comment prononcer, qui nous rejoint. Bonjour! Ah non, Chériline, je n'ai pas abandonné mon vélo! Il est lourd, mais je l'ai rapporté. Je ne vais pas abandonner mon vélo, je vais le garder. Il est magnifique. Je vais réparer la roue arrière. C'est la seule chose qu'il faut réparer. Alors ici, effectivement, il nous disait « C'est ça que je veux faire avec ma vie hein. ». On va écouter, et puis après il continue avec le « alors eux », effectivement, mais bon, c'était concentré là-dessus. On va écouter. C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... Ouais, et donc le « alors eux », je ne l'ai pas noté. Si vous l'avez noté, c'est très bien. On va écouter encore. C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... Voilà, c'est ça que je veux faire avec ma vie, hein. C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... C'est ça que je veux faire avec ma vie, alors... Voilà, et puis le « e » à la fin. Allez, merci. Et encore une fois, vous n'êtes pas beaucoup, mais ça n'est pas grave. Cliquez sur le like, partageons l'amour que nous avons les uns pour les autres. Cliquez sur le like, merci beaucoup. Allez, Monica Bellucci, nous avons eu le plaisir de travailler avec elle et on va continuer. Première chose qu'elle nous a dite, je vous demande s'il vous plaît de trouver les choses qui manquent. C'est drôle. Mais le fait qu'une femme âgée puisse être dans les bras de James Bond avait créé quelque chose de révolutionnaire. Et c'est drôle. Mais le fait qu'une femme âgée puisse être dans les bras de James Bond avait créé quelque chose de révolutionnaire. C'est drôle. Mais le fait qu'une femme âgée puisse être dans les bras de James Bond avait créé quelque chose de révolutionnaire. C'est drôle. Mais le fait qu'une femme âgée
puisse être dans les bras de James Bond avait créé quelque chose de révolutionnaire. Allez-y. Alors, Ogona nous rejoint. Bonjour Ogona, comment allez-vous? Ogona, participez s'il vous plaît. Alors ici, effectivement, nous étions à la recherche de la portion « Une femme âgée puisse être dans les bras ». Et donc, c'est de James Bond. Hein. Souvenez-vous, le « puisse », c'est le verbe « pouvoir ». Et le verbe « pouvoir » qui est ici, bien sûr, au subjonctif présent. On va l'écouter et on va lire en même temps. Allez. C'est drôle. Mais le fait qu'une femme âgée puisse être dans les bras de James Bond avait créé quelque chose de révolutionnaire. Et c'est drôle. Mais le fait qu'une femme âgée puisse être dans les bras de James Bond avait créé quelque chose de révolutionnaire. Eh oui, effectivement, et c'est vrai que c'est drôle quand on y réfléchit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire? Allez, numéro 2. Numéro 2, s'il vous plaît, écoutez et trouvez les choses qui manquent. Bah, c'était moi je dois dire que je dois vraiment beaucoup remercier la France. Bah, c'était moi je dois dire que je dois vraiment beaucoup remercier la France. Bah, c'était moi je dois dire que je dois vraiment beaucoup remercier la France. Bah, c'était moi je dois dire que je dois vraiment beaucoup remercier la France. Bah, c'était moi je dois dire que je dois vraiment beaucoup remercier la France. Allez-y. Alors, Nidhi, thank you for this. I love your channel. New subscriber here. You're welcome, but this lesson is only in French. And then, unfortunately for you, it's the last one before a little break for the summer. But then, well, come regularly and you will see that we will have some lessons. And normally we have some lessons in English and French. And then after that, in French and French. And then English and French, etc. Voilà! Alors, je regarde, je dois vraiment beaucoup remercier. Hein, on était à la recherche de ça, effectivement, je dois vraiment beaucoup remercier. On va l'écouter encore une fois et lisez en même temps, s'il vous plaît. Bah, c'était, moi je dois dire que je dois vraiment beaucoup remercier la France. Bah, c'était, moi je dois dire que je dois vraiment beaucoup remercier la France. Voilà, et nous on remercie Monica Bellucci et moi je vous remercie d'avoir participé eh ben, pendant tous ces cours que nous avons eus ensemble. C'était vraiment vraiment sympa. Allez. Et on n'oublie pas de cliquer. Notre objectif, c'est d'arriver à 100. Est-ce qu'on va le faire? C'est pas sûr, mais vous pouvez m'aider. Alors, nous avions eu le plaisir aussi de travailler avec Jodie Foster. Et je vous propose tout simplement de travailler sur deux petites phrases ou deux extraits. Puisqu'il y a plusieurs phrases ici, par exemple. Écoutez, et s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Vous voyez que ce sont des mots, ce ne sont pas des portions complètes. Allez-y. De toute façon, le monde a changé. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas aller en arrière, là, maintenant. De toute façon, le monde a changé. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas aller en arrière, là, maintenant.
De toute façon, le monde a changé. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas aller en arrière, là, maintenant. Allez-y. Alors, je regarde les choses qui commencent à arriver et je dis que c'est très très bien, effectivement. Alors, regardez ici. Hein, donc, monde, c'était la première chose, changer qui est participe passé ici. Le verbe pouvoir, peu, P-E-U-T, arrière, vous l'avez bien entendu. Et maintenant, bon, grand classique. Hein. Et donc, elle nous disait effectivement ça. On va l'écouter. Écoutez-la et eh bien, lisez en même temps, s'il vous plaît. De toute façon, le monde a changé. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas aller en arrière, là, maintenant. Alors, souvenez-vous, hein, quand on avait travaillé avec Jodie Foster, elle parle très, très, très rapidement. Ça, c'était la particularité. Elle parlait vraiment très bien, mais très rapidement. Regardons maintenant la deuxième chose. Vous devez trouver la totalité. Écoutez et écrivez ce qu'elle dit. La technologie nous a amené à un stade. La technologie nous a amené à un stade. Allez-y. Alors oui, hein, donc elle nous disait la technologie nous a amené à un stade. D'accord, faites bien attention parce qu'ici on a cette règle grammaticale. Si le complément d'objet direct est avant l'auxiliaire avoir pour les temps composés, nous allons marquer le pluriel ou le féminin pluriel à la fin du participe passé. Amené avec un S. Parce que c'est nous. Donc la technologie nous a amené à un stade. On va l'écouter. Là, c'était la même chose, assez rapide quand même. Lisez et écoutez en même temps, s'il vous plaît. La technologie nous a amené à un stade. Voilà. Encore une fois, hein. Toutes ces interviews, on a eu l'occasion de les faire. Et donc, il y a des cours qui sont beaucoup plus longs que ça, puisque nous avons passé, en général, à peu près 2 heures avec les dictées et les interviews. Merci. Alors n'oubliez pas que régulièrement vous allez voir cette petite chose qui passe, et bien c'est tout simplement parce qu'effectivement le dimanche 11 juillet à 13h, je vous attendrai si vous êtes là. En tout cas, je serai tranquillement installé, relax, dans les jardins du Luxembourg. Si vous voulez qu'on discute, prendre un café, et bien ce sera avec plaisir. Allez.
Allez, Karim Benzema, qui était assez efficace hier, on peut le saluer, le remercier. Nous avons eu l'occasion, eh bien, de travailler avec lui. Et on commence avec la première chose qu'il nous a dite. Regardez, hop là, s'il vous plaît, trouvez les choses qui manquent. Écoutez bien. Non, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Non, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Non, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Non, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Non, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Allez-y. Alors, première chose, Kirouba. Bonjour Kirouba. Tenez, on va vous mettre déjà un petit personnage pour vous dire bonjour Kirouba, comment allez-vous? Et Kirouba nous pose la question. Monsieur Vincent, oh oh oh. Ah ben j'ai l'impression d'être très important maintenant. J'ai une question pour vous. Quel niveau enseignez-vous? Est-ce que je peux savoir? Là, les cours que nous faisons là, en ce moment, les exercices, ce sont des exercices qui sont clairement à un niveau qui est assez avancé, puisque nous travaillons avec ces interviews sur des documents authentiques. Et donc, en général, ce type de documents authentiques-là, vous allez les avoir, en général, plutôt pour le DELF B1 ou le B2. Donc là, on est en train de naviguer entre le B1 et le B2, clairement. Donc voilà, si ça répond à votre question. Allez, on y va maintenant et on regarde les choses qui manquaient. Regardez, j'ai la chance, c'était un « s ». Cosmina l'a mis « change », mais je pense que c'était une petite erreur probablement, de faire une grande carrière. Et là, ça va faire plaisir à Victoria Posse dans le meilleur club du monde. Le Real Madrid, hein. Eh oui, les Français aiment beaucoup l'Espagne. Les Français aiment les Espagnols. Eh oui, il y a une amitié incroyable entre nos deux pays. On écoute. Non, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Non, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Allez, on continue avec la deuxième chose. La deuxième chose, la voici. S'il vous plaît, écoutez et notez les choses qui manquent. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à mort. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à mort. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à mort. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à mort. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à mort. Allez-y. Parce que j'ai dit que Karim Benzema, il pensait que c'était le meilleur club du monde et que... Mais c'est vrai qu'il y a une amitié. Il y a une amitié très claire entre les Français et les Espagnols. Et Victoria Posse, eh bien,
La tradition le veut, je dis merci beaucoup Victoria Possé. Voilà, et la petite poire, cette petite poire très joyeuse, c'est magnifique. Merci beaucoup Victoria Possé, à vous. Regardez et regardons ensemble. Et il nous dit effectivement, je kiffe le ballon à mort. Et ça c'est intéressant parce que, voilà, si vous êtes là depuis un certain temps, on a déjà vu ce verbe, le verbe kiffer, quand je vous présentais le français familier. Et donc là, c'est vraiment clairement une expression. Mais finalement, c'est du français parlé. Hein. Je kiffe le ballon à mort. Allez, et donc ça veut dire j'aime beaucoup, beaucoup le ballon, le football, hein, bien sûr. On y va. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à mort. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à mort. Voilà. Allez, on continue. Et bien sûr, hop là, je vous dis merci. Allez, on continue avec, eh bien, c'était Bradley Cooper. Souvenez-vous, on avait travaillé sur Bradley Cooper, sur une interview. Et donc là, on va revenir, bien sûr, sur bien deux petites portions. La première, la voici. S'il vous plaît, écoutez et écrivez ce qu'il dit. Allez-y. Elle a un cœur extraordinaire. 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 Allez-y. Alors Yessero qui demande c'est quoi la blague? Quelle blague Yessero? Je suis perdu Yessero. Qu'est-ce que vous dites Yessero? Je ne sais pas. Alors là, nous étions à la recherche de « Elle a un cœur extraordinaire ». Voilà, il nous le prononçait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ice Cube qui met aussi les... Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voulez ça, Ice Cube? Ah, Stella! Bonjour, Stella! Stella, pardon, je ne suis pas réactif aujourd'hui, excusez-moi. Ah, Ice Cube qui fait la surveillance. Elle surveille les personnes qui arrivent. Allez, elle a un cœur extraordinaire, c'est ce que nous cherchions. On va écouter et on va lire en même temps. Elle a un cœur extraordinaire. Elle a un cœur extraordinaire. Voilà. Alors effectivement, petit accent, bien sûr, mais encore une fois, pour les personnes qui veulent passer les certifications du DELF B1, du DELF B2, surtout le B2, vous aurez probablement des documents authentiques, audio, avec des gens qui ont des accents différents. Et ça, c'est toujours un petit peu difficile pour les étudiants. Donc, c'est très important de travailler dessus. Deuxième. Mais vraiment. Ah ! Le syndrome de Céline. S'il vous plaît, écrivez ce que vous entendez. Mais vraiment, elle est un très bon ami de moi maintenant.
Mais vraiment, elle est une très bonne amie de moi maintenant. Mais vraiment, elle est une très bonne amie de moi maintenant. Mais vraiment, elle est une très bonne amie de moi maintenant. Mais vraiment, elle est une très bonne amie de moi maintenant. Mais vraiment, elle est une très bonne amie de moi maintenant. Allez-y. Alors, est-ce que Pkiudini, non, il a fait comme un cheval. D'accord. Vous comparez Bradley Cooper à un cheval. Pourquoi pas? Le cheval est un animal magnifique. Alors, la meilleure, et j'arrêterai là, nous rejoint. Bonjour, bonjour la meilleure. C'est bien d'être la meilleure. Vous êtes la meilleure, bienvenue. Alors là, il nous disait, hein, mais vraiment, il est... On avait une discussion, il est, elle est, c'était pas très très clair. Donc si vous voulez, on va faire, on va prendre la possibilité comme ça, il ou elle. Et bien sûr, je ne trouve pas sur ce clavier la séparation, mais on va accepter les deux. Hein. Il est, elle est, bien sûr, ami, vous allez le mettre au féminin. Bon, il est ou elle est un très bon ami à moi ou une très bonne amie à moi. On va écouter. Mais vraiment, elle est une très bonne amie de moi maintenant. C'est vrai que c'est peut-être plus... Mais vraiment... C'est peut-être plus le féminin, si vous voulez. Il est ou elle est une, dans ce cas-là, on le mettrait au féminin. Une très bonne, au féminin aussi, amie, et on va le mettre au féminin. Bon, si vous avez mis le masculin, c'est pas un problème. Mais vraiment, elle est une très bonne amie de moi maintenant. Voilà. Alors effectivement, hein, donc on avait déjà vu ça. Effectivement, c'était pas la forme traditionnelle qu'on pourrait utiliser en français, mais ça passe et tout le monde comprend et il n'y a aucun problème. Allez, on continue. Merci beaucoup. Allez, souvenons-nous de Diane Kruger. C'était toujours très très intéressant. Elle nous expliquait des choses assez intéressantes, je dois dire. On va commencer avec la première chose. La première chose, s'il vous plaît, trouvez, écoutez bien sûr, et trouvez la totalité. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. 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 Allez-y. Alors, Luciana doit nous quitter. Prof, je dois partir. Bonnes vacances. Bon voyage en France. Et Luciana, quand on dit des choses comme ça, vous savez que ça ne rigole plus. Eh oui. Merci, Luciana. Au revoir et à bientôt.
Alors là, en fait, hein, donc, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. On suppose qu'ici, on devrait plutôt mettre le futur, hein, le futur simple dans oublierai. Donc AI à la fin. Et c'est quelque chose donc, que je n'oublierai jamais. On va l'écouter et on va comparer, liser, écouter en même temps. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Là, mystérieusement, Ice Cube, elle n'a pas mis un... ou quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on pourrait écrire le... Je ne sais pas, c'est quelque chose d'intéressant. Allez, numéro... Oui. Numéro 2. Je vous donne le début, je vous donne la fin. Écoutez et notez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Allez-y. Ice Cube, c'est comme ça, une sorte de petit personnage qui est un peu la reine des glaces, non, la reine des neiges. Je me souviens, il y avait une période où on avait fait des exercices où je vous donnais des mots et je vous demandais de me donner les icônes ou les petits dessins. C'était très sympathique. Alors, regardons ensemble. Elle nous dit ici, il y a des films qui sont importants à voir. Vous l'avez bien entendu, donc félicitations. On va écouter ensemble hein, et puis regarder en même temps. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. Mais je pense que des fois, il y a des films qui sont importants à voir. C'était vraiment très, très agréable de l'écouter parler parce que c'était très, très clair, pas trop rapide, assez facile à comprendre. À mon avis, voilà. Merci. Allez, souvenez-vous qu'Elisabeth, la reine Elisabeth II, était avec nous aussi. Eh bien... Très agréable à écouter, très agréable à tout simplement pour essayer de trouver les choses qu'elle nous disait. Écoutez, écrivez s'il vous plaît. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Allez-y. Alors, je regarde, et de répondre hein, aux défis et aux promesses, au pluriel, dont sera fait demain. Vous avez bien tout attrapé quand même. Hein. Le sera fait, c'était pas évident pour certaines personnes. Donc, écoutez bien maintenant et lisez en même
Attends, une toute petite seconde. Ouais, c'est bon. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Et de répondre aux défis et aux promesses dont sera fait demain. Voilà. Un accent qui était très très doux et très agréable à écouter, on s'en souvient. Allez hop, le numéro 2. Le numéro 2, et bien là vous trouvez la totalité, s'il vous plaît. Dans le monde dangereux où nous vivons, 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 dans le monde dangereux où nous vivons. Allez-y. Je me demande toujours si Sarah Pelletier est un robot, parce que Sarah Pelletier dit toujours la même chose. C'est très gentil, Sarah, parce que Sarah dit à chaque fois la même phrase. La vidéo est vraiment bonne et géniale. Et alors, Sarah, il faut mettre le génial avec un E à la fin. Sarah, au féminin, au féminin. Eh oui, regardez ce qu'elle nous dit. Elle nous dit dans le monde dangereux où nous vivons. Vous l'avez bien entendu, si vous avez l'accent sur votre clavier, l'accent pour le « ou », c'est toujours une bonne chose. On va écouter. Dans le monde dangereux où nous vivons. Dans le monde dangereux où nous vivons. Et très très bien prononcé encore. Hein. On avait quand même découvert des choses assez agréables, je trouve. Allez. N'hésitez pas à exprimer, à manifester votre amour en cliquant sur le « like ». Alors Audrey, hein, Audrey représentait et peut-être représentera au futur un défi. C'est un défi, c'était pas facile. Elle parle assez rapidement, Audrey, on a déjà vu ça. Hop là, on y va. On y va avec la première chose. La première chose, je vous donne le début. Essayez de trouver toutes les choses qui manquent. Ne vous découragez pas, essayez, on va faire tourner, essayez d'écouter et de noter. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très, très fraîches, très neuves. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très, très fraîches, très neuves. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très... très fraîche, très neuve. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très très fraîches, très neuve. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très très fraîches, très neuve. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très très fraîches, très neuve. Allez-y. Alors oui, Cosmina, j'ai regardé, excusez-moi, je regarde en même temps pour votre question. Le verbe « sera » est au singulier parce que c'est « demain sera fait ». Souvenez-vous, hein, ici, « demain sera fait ». Donc « demain » est le sujet de « sera fait ».
D'accord ? C'est le verbe faire qui est à la forme passive. Demain est fait, demain sera fait, demain a été fait. Donc ici, on met eh bien, le sujet après pour faire une forme de style. C'est pour ça. Alors, on retourne à Audrey. Et apparemment, ça avait l'air d'être assez clair. Je regarde en même temps. Mais oui, on va écouter ensemble. Donc, elle nous disait que les choses restent très fraîches, très neuves. Souvenez-vous, choses féminines. Donc, les adjectifs doivent être au féminin. Allez, on appuie, on écoute et on lit. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très... Très fraîche, très neuve. J'ai besoin oui. Voilà, que les choses restent très, très fraîches, très neuves. Alors, si vous avez le sentiment que c'est moins difficile que la première fois, si vous étiez là quand nous avons travaillé avec Audra la première fois, c'est un bon signe. Ça veut dire que vous vous habituez et que vous progressez. Et ça, c'est sympa toujours. Je vous donne la fin. Essayez de trouver les choses qui manquent. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. Allez-y. Alors ici, si on regarde, donc c'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper. Donc c'était assez long, mais d'après ce que je vois, bah vous l'avez bien entendu, bien écrit. Quelques petites erreurs, bien sûr, mais ça n'est pas très grave. C'est toujours un petit peu difficile avec certaines personnes. Et c'est vrai qu'avec Audrey Toutou, c'est un peu complexe. Alors regardez, hop là, attendez, je cherche ma souris. Écoutez et regardez en même temps ou lisez. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. C'est toujours une nouvelle aventure qui va m'attraper pendant 3 mois, dont je vais ressortir rincée. Avec ce délicieux petit R. Rincé, qui est roulé d'une façon très délicate. C'était vraiment, vraiment sympathique. Merci beaucoup. Allez, souvenez-vous de cette chanteuse incroyable, plutôt cette musicienne, puisqu'elle compose également Mélodie Gardot. On avait travaillé avec elle, elle parlait très très bien. Première chose, je vous donne la fin, essayez de noter les choses qui manquent. J'ai résisté l'appel de l'univers au début. 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 Allez-y.
Alors effectivement, donc elle disait hein, j'ai résisté l'appel. Bon, je vous propose la petite correction parce que normalement c'est avec la préposition à, résister à quelque chose, résister à quelqu'un, d'accord? Donc on va mettre la préposition à, mais je vous avais expliqué que si on ne met pas la préposition, on comprend. Donc c'est une erreur, mais qui n'est vraiment pas problématique finalement. Donc j'ai résisté à l'appel de l'univers au début. On va l'écouter sans le A, bien sûr, mais c'est pas grave. J'ai résisté l'appel de l'univers au début. J'ai résisté l'appel de l'univers au début. Voilà. Allez, si on continue avec la deuxième chose qu'elle nous disait, et cette chose, eh bien la voici. Je vous donne le début et la fin. Trouvez les choses qui manquent. 19 ans, j'ai eu un accident grave. J'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. 19 ans, j'ai eu un accident grave. J'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. 19 ans, j'ai eu un accident grave. J'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. 19 ans, j'ai eu un accident grave. J'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. 19 ans, j'ai eu un accident grave. J'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. 19 ans, j'ai eu un accident grave. J'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. Allez-y. Alors, regardons ici, et c'était « J'étais à bicyclette et j'ai été renversé ». Vous l'avez, oui, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien écrit. « Renversé », on doit le mettre ici, effectivement, au féminin. « Être renversé par quelqu'un », c'est le passif. Alors, attendez, Ice Cubes nous met des petits dessins. Ah non. Eh oui, elle est bizarre votre bicyclette Ice Cubes, elle est intéressante. Allez, on va écouter ensemble. 19 ans, j'ai eu un accident grave, j'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. Voilà. 19 ans, j'ai eu un accident grave, j'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. Ouais. Une chose importante, c'est que si vous écoutez, elle dit j'étais en bicyclette, qui est plutôt une erreur assez classique, mais c'est pas très grave. 19 ans, j'ai eu un accident grave. J'étais en bicyclette et j'étais renversée par une voiture. Voilà. Et puis la deuxième chose, bon, je vous l'avais expliqué, elle dit bicyclette. C'est vrai que normalement, en France, on dit plutôt vélo que bicyclette, mais il n'y a pas de problème puisque tout le monde va comprendre. Allez, on continue. Souvenons-nous de Victoria Abril. Victoria Abril, c'était vraiment sympathique. Petit accent très, très, très sympathique qui vient d'Espagne et bien sûr très chaleureux et très ensoleillé. Allez, on écoute. Je vous donne le début et la fin. Écrivez les mots qui manquent. Et que d'ailleurs, il m'a choisi, je pense, parce que Depardieu a poussé. Pour que ça soit moi, je lui dois ma carrière en France. Et que d'ailleurs, il m'a choisi, je pense, parce que Depardieu a poussé pour que ça soit moi. Je lui dois ma carrière en France. Et que d'ailleurs, il m'a choisi, je pense, parce que Depardieu a poussé pour que ça soit moi. Je lui dois ma carrière en France. Et que d'ailleurs, il m'a choisi, je pense, parce que Depardieu a poussé pour que ça soit moi. Je lui dois ma carrière en France. Allez-y. «
Alors, souvenons-nous avec Victoria Abril, le R. C'est une surprise permanente. Parfois, il est roulé, parfois, il est guttural. On ne sait pas toujours. Alors ici, elle nous disait, Depardieu a poussé pour que ça soit moi. On va écouter et puis... Attendez, voilà, c'est parti, on y va. Et que d'ailleurs, il m'a choisi, je pense, parce que Depardieu a poussé pour que ça soit moi. Je lui dois ma carrière en France. Et que d'ailleurs, il m'a choisi, je pense, parce que Depardieu a poussé pour que ça soit moi. Je lui dois ma carrière en France. Voilà, effectivement, avec... ce petit changement de R qui est vraiment très amusant et très sympathique. Ice Cube qui dit « Olé, olé !» Et oui, comme ça. Allez, on continue. Je vous donne le début. Essayez d'entendre, d'écouter et d'écrire la fin. Donc, tu sais, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies. Donc, tu sais, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies. Donc, tu sais, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies. Donc, tu sais, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies. Allez-y. Alors oui, là, vous l'avez bien entendu, félicitations, hein, elle nous disait, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies. Hein, donc c'était au pluriel, hein, des comédies, on va l'écouter encore une fois. Donc tu sais, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies. Donc tu sais, j'étais folle de joie de pouvoir faire des comédies. Voilà, très bien. Allez, on continue. Merci. Mais bien sûr, n'oublions pas que... notre objectif, hein, c'est bien sûr d'étudier le français ensemble, c'est d'avoir les 100 likes pour pouvoir chanter ensemble. La Marseillaise. Et oui, si vous voulez que nous chantions la Marseillaise à la fin de notre cours, eh bien, il faut cliquer, et il faut que nous puissions avoir 100 clics, 100 likes, ce serait quand même pas mal. Et bien sûr, notre ami est là. Céline est avec nous, et nous allons l'écouter ensemble. Donc Céline Dion... formidable femme, extrêmement dynamique, tonique, avec un accent léger et délicieux qui vient du Canada. Nous écoutons, si vous voulez bien, la première chose. Je vous demande de tout trouver. On y va. Mais quand je suis dans l'avion. Allez-y. Alors Jane qui me dit vous êtes patriote.
Ah non, ça fait pas longtemps que je le mets. Mais en général, vous savez, Jane, quand on habite à l'étranger, et moi j'habite à l'étranger, je suis un Français de l'étranger, oui, on apprécie peut-être un petit peu plus son pays que quand on habite dans son pays, en fait. Alors effectivement, hein, Cosmina avait anticipé, tout va super bien, mais non, on essaye d'alterner, mais peut-être qu'il va arriver, on ne sait jamais, donc on n'en parle pas. Ici, elle nous disait « eux, mais quand je suis dans l'avion », vous l'avez bien entendu, c'était assez rapide, mais assez clairement prononcé. On y va. Mais quand je suis dans l'avion... Voilà, hein, donc ça c'était assez clair quand même. La deuxième chose, eh bien c'est pareil. Je vous demande de trouver la totalité. Je vais mettre mes écouteurs. Allez-y. Alors, on va regarder ensemble. Cosmina qui nous dit « Mais en effet, monsieur !» Elle dit « J'émette mes écouteurs !» Alors, analysons, prenons le temps d'analyser, et puis on va être comme ça, on sera d'accord. Alors, « Je vais mettre mes écouteurs. » Souvenez-vous que « je vais », elle va probablement le prononcer en « je vais ».« Mettre », elle va le prononcer en « mettre ». C'est normal. « Je vais mettre ». Je vais mettre mes écouteurs. 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 Exactement. Je vais mettre mes écouteurs. Je vais mettre. Je vais mettre. Je vais mettre mes écouteurs. Je vais mettre mes écouteurs. Je vais mettre mes écouteurs. Voilà. Je vais mettre mes écouteurs. Et donc, c'est « je vais mettre ». Mes écouteurs. Merci Céline, on va voir si elle reste encore après, on ne sait pas. Alors souvenez-vous qu'avec Jacques Brel, eh bien, nous avions découvert aussi cet accent belge qui est très 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 agréable et très sympathique. Première chose, je vous donne le début. S'il vous plaît, essayez eh bien, de découvrir la suite. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des problèmes qui sont des problèmes de luxe. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des problèmes qui sont des problèmes de luxe. Allez-y. Alors, Sahil nous rejoint. Bonjour Sahil, comment ça va? J'espère que vous allez très bien participer, Sahil.
Alors, eh ben oui, effectivement, ça arrive, et vous l'avez bien entendu, hein, qui sont des problèmes de luxe. Allez, si on va l'écouter, il nous disait, donc c'est-à-dire qu'on commence à se poser des problèmes qui sont des problèmes de luxe. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des problèmes qui sont des problèmes de luxe. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des problèmes qui sont des problèmes de luxe. Voilà, donc c'était quand même relativement clair, assez rapide, mais bon, c'est sa façon de parler. Deuxième chose de Jacques Brel, je vous donnais la fin, essayez d'écouter et de noter le début. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Allez-y. Alors, regardons ensemble ce qu'il disait. Eh bien, il disait « Oh, ça, je ne sais pas, je vis ». Donc, c'était avec les gens. Effectivement, il cherchait un petit peu dans ses pensées. On va l'écouter. « Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Oh, »« Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. »« Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. » Oh, c'est ça, je ne sais pas, je vis avec les gens. Voilà, donc c'était quand même relativement clair avec la petite hésitation au début, mais qui était tout à fait normal. Oh. Merci. Allez, n'oubliez pas que si vous voulez que nous chantions à la fin de ce cours, la Marseillaise. Il faut cliquer sur like, il faut cliquer sur like, il n'y a qu'une seule possibilité pour avoir la Marseillaise, c'est de cliquer sur like et d'avoir 100 likes. Et ce n'est pas sûr du tout. Souvenez-vous Daft Punk, nous avons fait un cours avec eux et c'était assez intéressant. C'était un petit peu difficile parce qu'il y avait les deux personnes de Daft Punk qui parlaient différemment. Je vous donne le début, trouvez la fin s'il vous plaît. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. Allez-y. Thank you.
Alors là, oui, hein, on était à la recherche de ça. Hein, donc, entre la tristesse et le bonheur, je trouve que c'était assez clairement prononcé. Vous avez bien, bien noté, bien entendu les choses. Donc, pas de problème. On va écouter ça ensemble. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. C'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. Voilà, donc c'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. Numéro 2, je vous donnais le début et la fin. Et s'il vous plaît, trouvez-moi ce qu'il y a au milieu. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Allez-y. Alors ici, nous étions à la recherche de peut-être le plus grand artiste du XXe siècle. Donc c'est vrai que c'était un petit peu long, mais pour l'instant, les personnes qui écrivent des choses, eh bien c'est très très bien. On va l'écouter ensemble encore une fois. Écoutez et lisez. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Voilà, assez clairement prononcé quand même. Et bien sûr, personnellement, j'ai un faible terrible pour Daft Punk, qui est un groupe que j'adore. Alors, nous avions eu le plaisir de travailler avec Alain Delon. Eh bien, nous allons faire aujourd'hui, comme avec les autres, deux choses d'Alain Delon. Je vous donne la fin, je vous demande le début, une toute petite seconde. Écoutez et écrivez. Toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. Toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. Toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. Toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. Toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. Allez-y. Alors, eh bien là, c'est la même chose. Hein. Les personnes qui participent, eh bien, ce sont les personnes qui sont là depuis le début. Et ça me fait très, très, très plaisir. C'est vrai. Alors, il nous disait toutes les villes, tous les pays en général. C'était, à mon avis, assez clair quand même. Il a une façon de parler qui est relativement claire. On y va. Toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. Toutes les villes, tous les pays en général auxquels j'ai rêvé lorsque j'étais enfant, le jour où je m'y suis trouvé, j'ai 9 fois sur 10 été déçu. Voilà. Allez, on continue avec la deuxième chose qu'il nous disait. Et là, s'il vous plaît, donnez-moi la totalité. On y va. On devrait rester sur ses rêves.
On devrait rester sur ses rêves. On devrait rester sur ses rêves. On devrait rester sur ses rêves. On devrait rester sur ses rêves. On devrait rester sur ses rêves. On devrait rester sur ses rêves. On devrait rester sur ses rêves. Allez-y. Alors, oui, c'est très bien, hein. On devrait rester sur ses rêves, c'est ce qu'il nous dit, et vous l'avez très bien entendu et très bien écrit. Donc ça, encore une fois, je vous dis bravo. On va écouter encore. On devrait rester sur ses rêves. On devrait rester sur ses rêves. Vous voyez, très clairement prononcé, hein. C'était vraiment, vraiment très clair à mon avis. Alors Victoria Jacques, qu'est-ce que... Pourquoi vous mettez des... Victoria Jacques avait des petits nuages. Et c'est joli les nuages, je dis. Merci Victoria Jacques, c'est joli les nuages. On continue. Et je vois qu'il manque peut-être 7 likes. Alors on n'oublie pas que si vous cliquez et si nous arrivons à 100 likes, donc ça veut dire dans 7 likes, eh bien à la fin du cours, à la fin, c'est clair, comme la dernière fois, nous allons chanter ensemble, eh bien... La Marseillaise sera chantée à la fin du cours si on arrive à 100 likes, mais ça n'est pas sûr. Alors Brigitte Bardot, eh bien oui, Brigitte, c'était formidable. Je ne sais plus, Cosmina pensait que Brigitte mangeait le verbe être, si ma mémoire est bonne. Eh bien, nous allons voir si effectivement elle dévore les verbes être. On y va, je vous donne le début, vous écoutez la fin, s'il vous plaît. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Allez-y. Alors, elle nous disait, hein, donc, une certaine sorte, hein, souvenez-vous que certaine doit être au féminin, tout simplement, parce que c'est l'adjectif qui est connecté à sorte. Le mot sorte est un mot féminin, donc une sorte, une certaine sorte de bourgeoisie. On va l'écouter, et puis, s'il vous plaît, lisez en même temps. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Ah, mais je n'ai jamais quitté, si vous voulez, une certaine sorte de bourgeoisie. Alors, on ne saura pas encore, parce que là, il n'y avait pas le verbe être, Cosmina. On va voir. Allez, je vous donne le début. S'il vous plaît, donnez-moi la fin. On est parti. Mais enfin, j'estime que, puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Mais enfin, j'estime que,
Puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Mais enfin, j'estime que... Puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Mais enfin, j'estime que... Puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Mais enfin, j'estime que... Puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Allez-y, écrivez. Alors, elle nous disait, c'est idiot, hein, souvenez-vous que ça doit être au masculin, parce que souvent, enfin souvent, c'est toujours comme ça avec c'est beau, c'est bon, c'est idiot, c'est chaud, etc. Et donc, cacher son âge, c'est idiot de cacher son âge. On va l'écouter, et puis vous pouvez lire en même temps. Mais enfin, j'estime que, puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Mais enfin, j'estime que, puisque j'ai 35 ans, pourquoi ne pas le dire? C'est idiot de cacher son âge. Voilà. Et là aussi, c'est vrai que je trouve que c'était quand même très, 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 très clair. Allez, merci beaucoup. Merci. On a réussi. Eh bien voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de notre cours, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'on a du travail à faire encore un petit peu. À la fin de notre cours, eh bien nous aurons le plaisir de chanter ensemble. Mais bien sûr, c'est moi qui vais chanter tout seul, mais j'espère que vous allez chanter avec moi à la maison. C'est un minimum. C'est un minimum de solidarité. Nous allons chanter quoi? Nous allons chanter... Oups! La Marseillaise. Eh oui! Eh oui! À la fin du cours! Pas tout de suite. Non, je vous rappelle que je l'ai déjà chantée. Je vais la chanter à la fin du cours, comme la dernière fois. La dernière fois, c'était à la fin du cours, avec mon ami. Souvenez-vous, il y avait un ami qui venait, qui chantait avec moi. On n'a pas la même tonalité, mais je m'adapte à ce monsieur. Allez, on continue avec Audrey Hepburn. C'était très agréable de travailler avec elle. Première chose, je vous donne le début. S'il vous plaît, écoutez et écrivez ce qui manque. Je suis commencée mon carrière comme danseuse de ballet. Je suis commencée mon carrière comme danseuse de ballet. Je suis commencée mon carrière comme danseuse de ballet. Je suis commencée mon carrière comme danseuse de ballet. Je suis commencée mon carrière comme danseuse de ballet. Je suis commencée mon carrière comme danseuse de ballet. Je suis commencée mon carrière comme danseuse de ballet. Allez-y. «
Alors, vous avez probablement entendu qu'elle faisait une petite erreur au début. Elle n'a pas dit « j'ai commencé », mais elle a dit « je suis commencé ». C'est pas très grave, hein. C'est pas vrai, c'est pas très très grave. Comme je vous ai dit, on va comprendre et c'est ça qui est quand même important. Et puis, je crois qu'elle a mis le masculin pour carrière, mon carrière. C'est féminin, c'est ma carrière. Mais là, ça n'est pas grave non plus. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est ma carrière et pas mon carrière. Hein. On écoute. Je suis commencé mon carrière comme danseuse de ballet. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Vous remarquez que sur une phrase qui est courte comme ça, bon, il y a deux erreurs, mais ça n'est pas grave parce que je comprends. Et donc, au final, eh bien, voilà, elle arrive à s'exprimer et même s'il y a deux erreurs, le message passe. On continue avec la deuxième chose. La deuxième chose, je vous donne le début et la fin. Vous me trouvez ce qui manque, s'il vous plaît. On y va. Et tout à coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines. Et tout à coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines. Et tout à coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines. Et tout à coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines. Et tout à coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines. Allez-y. Alors ici, nous étions à la recherche de « En 52, j'ai fait un essai ». Souvenez-vous que « essai », le substantif, il n'y a pas de « e » à la fin et pas de « y ». Non, 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 pas de « y » à la fin. Allez, on y va. On va écouter ensemble eh bien, sa prononciation. Écoutez et lisez en même temps. Et tout à coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines. Et tout à coup, en 52, j'ai fait un essai pour Vacances romaines. Voilà. Et là, là aussi, hein, très très bien prononcé. Et c'était très agréable. Alors, Catherine Deneuve, eh bien oui, nous avons travaillé avec Catherine Deneuve et là aussi, c'était vraiment, vraiment une façon de parler, de prononcer qui était assez intéressante. On va bien sûr travailler avec deux petits extraits et voici le premier. Le premier, il est là. Je vous donne le début et je vous donne la fin. Trouvez les choses qui manquent. Et ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est très difficile de recevoir un compliment sans en être gêné. Et ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est très difficile de recevoir un compliment sans en être gêné. Et ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est très difficile de recevoir un compliment sans en être gêné. Et ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est très difficile de recevoir un compliment sans en être gêné. Allez-y.
Alors, je vois que ça arrive, et oui, effectivement. Hein, donc, elle nous disait, c'est très difficile de recevoir un compliment. Vous l'avez bien entendu et vous l'avez bien écrit. Donc, félicitations. On va, eh bien, encore une fois, écouter et lire en même temps. Allez, attention, c'est parti. Ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est très difficile de recevoir un compliment sans en être gênée. Et ça me fait plaisir, mais je trouve que c'est très difficile de recevoir un compliment sans en être gêné. Voilà. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant Catherine Deneuve. Je vous donne le début, écoutez la fin et écrivez la fin, s'il vous plaît. Le mensonge, tout ce qui n'est pas la vérité, ça, alors je m'insurge terriblement contre tout ça. Le mensonge, tout ce qui n'est pas la vérité, ça, alors je m'insurge terriblement contre tout ça. Le mensonge, tout ce qui n'est pas la vérité, ça, alors je m'insurge terriblement contre tout ça. Le mensonge, tout ce qui n'est pas la vérité, ça, alors je m'insurge terriblement contre tout ça. Allez-y. Alors, je me souviens que c'était exactement la dernière chose, la même chose la dernière fois. Et oui, c'était le même verbe, le verbe s'insurger contre quelque chose. S'insurger contre quelque chose. Je m'insurge terriblement contre ça. Eh bien, si vous ne connaissez pas ce verbe, je vous invite à le découvrir dans un dictionnaire et notez-le comme nouveau verbe pour vous. Vous aurez un nouveau verbe dans votre liste. Regardez et écoutez comment elle prononce toutes ces choses. Le mensonge, tout ce qui n'est pas la vérité, ça, alors je m'insurge terriblement contre tout ça. Le mensonge, tout ce qui n'est pas la vérité, ça, alors je m'insurge terriblement contre tout ça. Voilà, effectivement, c'était la même chose. C'était la même chose la dernière fois. Allez, on continue. Et encore une fois, n'oublions pas de partager notre amour en cliquant sur le like. Si les choses sont claires dans votre esprit, sans like, tout est clair. Nous allons bien sûr à la fin du cours chanter. Et oui, nous allons chanter la Marseillaise ensemble. Enfin, moi je ne pourrais pas vous entendre, mais je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Alors, souvenez-vous que nous avons travaillé aussi avec Patrick Bruel. Première chose, on y va. Écoutez, je vous donne la fin principalement. Écoutez et notez ce qu'il nous dit. Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Oui, on a envie de leur rendre hommage, de leur dire « Ouais, on pense à vous. » Allez-y. Alors, Hassina Youssouf nous rejoint. Bonjour et Learn English via Story. It's a long name. Bonjour. Oh, Mélissa nous rejoint. Bonjour Mélissa, comment allez-vous Mélissa? Est-ce que ça va bien?
Alors Patrick Bruel parlait et parle assez rapidement. Vous avez bien attrapé les choses. C'était pas facile, hein. On a envie de leur rendre hommage. On va écouter, hein. Oui, on a envie de leur rendre hommage, à leur dire ouais, on pense à vous. Oui, on a envie de leur rendre hommage, à leur dire ouais, on pense à vous. Oui, on a envie de leur rendre hommage, à leur dire ouais, on pense à vous. Oui, ça va très 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 vite quand même, mais en tout cas, vous avez bien réussi. Oui, on a envie. Oui, merci. Numéro 2, je vous donne le début. Bon, petit début et la fin, s'il vous plaît, trouvez le reste. On y va. Attention. Au lendemain des attentats, j'ai écrit ce texte. Allez-y. Alors, Cosmina qui a sa technique, qui réécrit et réécrit et réécrit. Et c'est vrai que ça fonctionne. Je m'insurge, verbe s'insurger, hein, c'est s'insurger, hein. Alors là, effectivement, il nous disait au lendemain des attentats, écoutez, les personnes qui l'ont écrit l'ont bien écrit, donc ça, c'est vraiment bien. Écoutez et écrivez. Au lendemain. Écoutez, lisez, pardon. Au lendemain des attentats, j'ai écrit ce texte. Vous voyez, donc là, toujours assez rapide, mais je pense que, en tout cas, on s'était habitué quand on avait fait le cours sur Patrick Bruel. Merci. Alors, nous avions aussi le plaisir de travailler avec Omar Sy, interview qui était assez intéressante, et bien sûr, deux choses comme pour les autres. La première, la voici. Et je vous demande, s'il vous plaît, de m'écrire la totalité. Allez. Si on s'aime, on n'aura plus de problème. Allez-y. Victoria Posse qui dit « Patrick, c'est un petit peu comme Céline. » Vous voulez dire « rapide, rapide, effectivement. » Ce sont des gens qui sont et qui parlent rapidement. Alors ici, Omar nous disait « Si on s'aime, on n'aura plus de problème. » Bon, on va écouter ça. Vous l'avez bien entendu, pour la plupart, en tout cas, les gens qui participent. Et on y va. Si on s'aime, on n'aura plus de problème. Voilà, donc c'était quand même relativement clair. Ice Cube, ce qui nous mettait de problème. Oui, des apostrophes, c'est vrai. Allez, numéro 2, je vous donne des morceaux et vous me donnez le reste. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai ça de mon enfance, mais... C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai,
J'ai ça de mon enfance, mais c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai ça de mon enfance, mais c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai ça de mon enfance, mais c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai ça de mon enfance, mais c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai ça de mon enfance, mais allez-y. Alors, Ice Cube qui nous dit qu'il mange presque tout. Ah, c'est bon les mots. C'est bon les mots et ça a bon goût. Donc, crunch, crunch, on peut manger les mots. Il nous dit « J'aime bien vivre à la campagne ». C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était « J'ai ça de mon enfance ». Donc les deux. Hein. C'est vrai que c'était un petit peu difficile. « J'aime bien vivre à la campagne ». J'ai ça de mon enfance. On va l'écouter ensemble. Hein. Allez hop, c'est parti. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai ça de mon enfance. Mais c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien vivre à la campagne. Je vis à la campagne parce que j'ai ça de mon enfance. Mais voilà. Là encore, hein, c'était assez rapide, effectivement. Comme nous disait Ice Cube, il mange parfois quelques mots, il mange quelques lettres, mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui mangent des lettres parce que c'est très très bon. Merci. N'oubliez pas qu'en cliquant, vous me motivez à faire quoi ? Eh bien, à chanter la Marseillaise à la fin de notre cours. Parce que ça nécessite un peu de courage de chanter tout seul. Devant une caméra, c'est quand même un petit peu mystérieux. Mais bon, je vais le faire juste pour vous. Allez, c'est parti. Souvenez-vous, nous avions travaillé avec Jane Fonda. Alors, j'ai choisi deux extraits qui sont des extraits qu'elle avait enregistrés dans cette interview un petit peu plus tard dans sa vie. On y va. Je pense, hein, j'ai un doute maintenant. Ça, c'était un choc. Mais en même temps, j'avais compris pourquoi mon père et mes grands-parents ne m'ont pas dit la vérité. Ça, c'était un choc. Mais en même temps, j'avais compris pourquoi mon père et mes grands-parents ne m'ont pas dit la vérité. Ça, c'était un choc. Mais en même temps, j'avais compris pourquoi mon père et mes grands-parents ne m'ont pas dit la vérité. Ça, c'était un choc. Mais en même temps, j'avais compris pourquoi mon père et mes grands-parents ne m'ont pas dit la vérité. Allez-y. Alors oui, hein, apparemment vous l'avez bien entendu, bien compris et bien écrit, mais en même temps j'avais compris, hein, c'est ce qu'elle nous disait, on va l'écouter. Ça c'était un choc, mais en même temps j'avais compris pourquoi mon père et mes grands-parents ne m'ont pas dit la vérité.
Ça, c'était un choc. Mais en même temps, j'avais compris pourquoi mon père et mes grands-parents m'ont pas dit la vérité. Voilà. Allez, on continue. Donc, c'était effectivement le même interview, je pense. Et donc, voilà, je vous donne une partie et vous me donnez le reste. Merci. Et j'étais dans une école où presque tous les parents étaient dans la profession de cinéma. Mmh. Et j'étais dans une école où presque tous les parents étaient dans la profession de cinéma. Mmh. Et j'étais dans une école où presque tous les parents étaient dans la profession de cinéma. Mmh. Et j'étais dans une école où presque tous les parents étaient dans la profession de cinéma. Mmh. Et j'étais dans une école où presque tous les parents étaient dans la profession de cinéma. Mmh. Allez-y. Alors, nous étions ici à la recherche de tous les parents étaient dans la profession. Une chose importante, c'est que je crois qu'elle avait prononcé toutes les parents, donc elle avait fait une petite erreur. Mais là aussi, c'est important de comprendre que même si elle met le féminin à la place du masculin, ça ne change pas, ça ne pose pas de problème de compréhension. Donc, elle dit toutes les parents, mais c'est le pluriel, tout est OUS, les parents. On y va, allez, on écoute ça ensemble. Et j'étais dans une école où presque tous les parents étaient dans la profession de cinéma. Mmh. Et j'étais dans une école où presque tous les parents étaient dans la profession de cinéma. Mmh. Voilà. Allez, merci beaucoup pour ça. Vous êtes très, très courageux. Je dois vous dire que vous êtes très courageux et vous m'impressionnez beaucoup. On y va. Alors, nous avions eu aussi le plaisir de travailler avec Madame Rowling, la maman de Harry Potter. Et c'était intéressant parce qu'elle avait donné un... C'était un discours, hein, on se souvient, à l'Élysée. Première chose, je vous donne le début et vous écrivez la fin, s'il vous plaît. En effet, mon arrière-grand-père était français. En effet, mon arrière-grand-père était français. Allez-y. Alors, oui, hein, donc là, effectivement, c'était mon arrière-grand-père était français. Hein, souvenez-vous, je l'ai expliqué plusieurs fois, quand on utilise français comme un adjectif ici, alors français, allemand, finlandais, éthiopien ou japonais, ce sera de toute façon toujours en minuscule. Hein. Les adjectifs sont en minuscule. Donc pas de majuscule pour français. Mon arrière-grand-père était français. On y va, on écoute. Allez, c'est parti. En effet, mon arrière-grand-père était français. Voilà, prononciation très très agréable, très claire et très fluide. Numéro 2, je vous donne le début et la fin. Et s'il vous plaît, vous me trouvez eh bien, ce qu'il y a au milieu. Allez-y. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur.
Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Allez-y. Alors, Romane qui dit « Merci beaucoup, Monsieur Vincent. J'espère que vous allez passer des bonnes vacances. » Ben, merci beaucoup, Romane. Merci à vous. Au revoir et bonnes vacances. Regardez, le nounours vous dit « Bonnes vacances ». Eh oui. Et Gigi qui nous rejoint, ben Gigi, elle avait pas envie. Elle avait pas envie de travailler aujourd'hui, Gigi. C'est pas raisonnable, Gigi. Alors, regardons ensemble, et elle nous disait « Vous avez une place toute particulière dans mon cœur », et donc c'était la chose que vous deviez trouver. On va écouter ensemble la totalité. « Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. » Voilà, donc très très correctement et très clairement prononcé. Alors, attendez, pas tout de suite. Donc, chose promise, chose due. C'est un proverbe. Ça veut dire que je vous ai promis quelque chose et je, bien sûr, dois le faire. Alors, on y va. Franchement, à chaque fois je me dis, mais pourquoi j'accepte? Souvenons-nous des paroles. Lisez les paroles avec moi. Des paroles qui, nous avons déjà travaillé sur ces paroles, qui ne sont pas très très pacifiques. Il faut être honnête. Ce sont des paroles un petit peu agressives quand même. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, deux fois, hein, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Là, c'est pas sympathique du tout. Ils viennent jusque dans vos bras, et là c'est, oui, égorger vos fils, vos compagnes. Donc ils égorgent vos fils et vos épouses. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur, alors le sang, bien sûr, de l'adversaire abreuve nos sillons. Voilà, donc on est très 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 loin d'une chanson pacifiste. On est d'accord, hein ? Ça n'est pas une chanson qui est là pour rapprocher les peuples, c'est plutôt pour unifier un peuple contre les autres. Bon, je vous fais confiance. Parce que moi, je vais chanter, ça va être terrible. Mais ça, c'est votre problème, ça n'est pas le mien. Allez, on est parti avec notre ami qui va chanter, eh bien, avec nous. On est parti. Ouais.
la main, le chapeau, hop. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Deux fois, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et vos campagnes. Et vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'accepte de chanter. Mais bon, voilà, voilà, j'ai chanté la Marseillaise pour vous et juste pour vous. Mais c'était en tout cas sympathique. Merci beaucoup. On a passé des moments très très intéressants ensemble. Donc là, c'est les vacances, bien sûr. Je vous remercie très très sérieusement du fond du cœur parce que ça a beaucoup compté pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est très très gentil. Merci, merci. N'oubliez pas deux choses. On va commencer avec, bien sûr, c'était mon actualité cette année. Et la citation que je fais, c'est une idée que j'ai eue. Les gens qui ne veulent pas nous tenir la main ne méritent pas d'être dans notre vie. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien sûr, pour finir sur quelque chose de positif, c'est important. Aucun bonheur n'est entier s'il n'est pas partagé. Merci beaucoup, au revoir et bonnes vacances.